Les Bleus ne jouent pas ce vendredi, mais ils regarderont avec attention le match entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie 21h. En fonction du résultat, le 15 de France pourrait en effet être qualifié avant même de jouer son dernier match. La France pourrait être qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde dès ce vendredi soir, même s'il lui reste un match à disputer face à l'Italie le 6 octobre. En effet, si la Nouvelle-Zélande venait à perdre contre l'Italie, à 21h au Groupama Stadium, elle serait éliminée, puisqu'elle aurait un retard de 7 ou 8 points sur la France avec ou sans bonus défensif. Avec une seule rencontre encore à disputer, soit 5 points maximum à engranger. Les Bleus pourraient également valider leur ticket si les Blacks et les Italiens se quittaient sur un nul. Dans ce cas de figure, les Blacks ne seraient pas éliminés d'office, mais seraient à la lutte avec l'Italie pour la deuxième place. Et même si les Blacks assortissaient leur nul d'un point de bonus offensif, les Bleus resteraient hors de portée, les deux équipes seraient séparées de 5 points au classement. Et, dans le cas où la France ne prendrait aucun point lors de son dernier match face à l'Italie, et que la Nouvelle-Zélande en engrangeait 5 face à l'Uruguay, les Bleus demeureraient devant grâce à leur victoire lors du match d'ouverture 27 à 13, 8 septembre.